Je prends même à l'avantage de la PSG, Free Branch, dans le radio rondonnier, Nothing Compares, Nothing Compares, en pleine piste, va régler ses niveaux, et dans le fait d'en arriver à l'intérieur, Nothing Compares, dans le prétendre, je prends même les liens. Sérieusement, Southern Heights, Bronco Boston, va aller chercher le passage, Wembley, complètement l'extérieur, par rapport à la tête aussi, va se mêler à la lutte pour la victoire, Bronco Boston, à fidèle à présent avec les ventes de l'intérieur, à l'extérieur, essayer de faire les ports, we'll be right back.
a-t-il résisté jusqu'au bout? Paulin Royal va essayer de s'amener maintenant en pleine ligne droite. Nordic Warrior a toujours l'avantage sur Paulin Royal. Donny Brasco va bien terminer également. Nordic Warrior qui tient bon face à Paulin Royal. Un appel lancé par Jeanne Bardetti à l'extérieur. Paulin Royal qui fonce sur Nordic Warrior. Paulin Royal qui va l'emporter. Victoire de Paulin Royal. Avec toujours The Real Hero. Prêt alors pour tout maintenant va foncer sur The Real Hero. Almahara et Capitico se rapprochent également en pleine ligne droite avec The Real Hero. Prêt alors pour Seven Fountains dans la ligne droite finale avec Strong qui tourne en vainqueur. Grave lancé maintenant par Derek David. Il y a également Sail to Paradise. Mais son a le meilleur en ce moment face à Garbi à l'extérieur. Il y a Torero Dance. Garbi termine fort face à Torero Dance. Il va prendre les choses en main, accroché sérieusement par Max Rapax maintenant qui attaque à l'extérieur. Strong lancé par Jeanne Bardetti face à Max Rapax à l'extérieur. Joli duel ici entre Strong et Max Rapax. Qui va se rapprocher de ce duo de tête Almahara. Tout juste en embuscade en pleine ligne droite. Power dive Almahara arrive à l'intérieur. Milene Mesta également termine très fort sous la selle de Derek David. Mais Adista à l'avantage. Que le peloton Adista. Milene Mesta à l'extérieur. Adista, Milene Mesta. Milene Mesta avec Don Amel. En pleine ligne droite, Thierry Chetcham a dominé tout le peloton. Lancé par Derek David. Il va prendre à cette distance à Thierry Chetcham. Rien n'arrêtera le favori derrière. Koula fait des efforts désespérés avec Eagle Award. Mais Thierry Chetcham gagne tranquillement devant Koula. Troisième Eagle Award, quatrième Blue Lone. Derrière Maturin Flash Drive à l'extérieur. Yao Chipan lancé par Jeanne Bardotti. Maestro Salut va aller chercher l'intérieur. Polar Palace à l'extérieur. Il y a Ochipan lancé à fond par Jeanne Bardotti. Est-ce qu'il va le faire Ochipan, mais qu'il arrivera peut-être pas rattraper Flash Drive à l'avant. À l'intérieur, Solemio, Flash Drive, Ochipan. Solemio, c'est Captain's Bounty. No prisoner, Shanghai King, prison of all, c'est obligation. Yeshiva donc va se détacher et remportera certainement maintenant la 7ème épreuve. Donc Yeshiva sans difficulté aucune, sur place à l'opposition. Captain's Bounty, c'est le deuxième prison of all, Red Lodge, Shanghai King. Il y a Halabalou qui est là dans la ligne droite finale.
à l'extérieur. Sida, Dry Warren, oui, on retrouve là un sprint, monsieur Lando, en pleine ligne droite avec maintenant pour Pierre Roby, en pleine piste, qui a l'avantage. New Star à l'extérieur, lancé par Derek David, termine également pour New Star, Roby et Roby à l'intérieur, pour Pierre Roby, New Star. En pleine ligne droite, Aspen Emperor maintenant va lancer le sprint final. Guida maintenant s'amène à son extérieur. Attention à Guida, mais Aspen Emperor. Guida a mis le nez devant Max Rapax. Va devoir revenir à Joe Guida. Max Rapax lancé par Derek David. Max Rapax va prendre la mesure de Guida facilement. Max Rapax est une manche face à Ryder Cup. À l'extérieur, on va essayer de s'amener avec Silver Bluff. L'esprit punch a toujours l'avantage. Cependant, Ryder Cup lancé maintenant. Le bar de ciel à l'extérieur, Calidago est également lancé. Ryder Cup avec Abing Puncher des barres. Recall to life termine en trombe. Recall to life. Recall to life qui va l'emporter. C'est la décision ici. On va se battre pour la deuxième place, certainement. En pleine ligne droite, on retrouve un seul cheval. Liquid Motion, derrière qu'il faudra surveiller en pleine ligne droite, avec toujours un Dan Radic à l'avantage à l'extérieur, il y a le prix, Top Jet, Dan Radic, Top Jet à l'intérieur, Everett, Dan Radic fait de la résistance, avec la loupe de Tioncel, à l'intérieur, Everett, Everett, la première victoire, avec Calinago, du coup, en table, le dernier virage, avec Top Live, bon accroché par Taking Angelo, Patrick va aller chercher l'intérieur en pleine piste, détecté, avec toujours Top Live, bon, Taking Angelo, face à Master Mascus, poursuivi par Silver Bluff. Ray Admiral en pleine ligne droite, maintenant lancé par Derek David. Silver Bluff termine bien à l'extérieur, mais toujours Ray Admiral. Derek David va devoir résister à Silver Bluff à l'extérieur. Ray Admiral, Silver Bluff, Ray Admiral. Voilà. C'est fait pour Derek David. Le dernier virage part de façon wild, Max, 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 avec Carson lancé également à l'extérieur. La porte wild, John Max, 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 à l'extérieur. Carson, Carson, qui est également lancé, Max, 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 qui a l'entame, je m'en rends à sa place, à tous les autres. Max, 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 à l'arrière, il est essayé de chercher la ligne droite finale avec le Brady qui tourne en marche à l'extérieur. Il va y lancer, on est dans le jeu, ça veut dire que ça le passage à l'intérieur. Le Brady avec le lancer par une anale dans l'ambiance de Star à l'intérieur avec le Blue Star. On vient dans l'ambiance, on vient dans le Blue Star. Blue Star, on vient dans l'ambiance. On va chercher le ride pour avoir une chose très chiante en pleine ligne droite. Blue de Star, une chance de manœuvre en très chiante. Très chiante va tenter un retour. Mais Blueberry ne sera peut-être pas battu, car elle est terminée en trône. Mais Blueberry a déjà réalisé l'essentiel. Et derrière, ben Blueberry devant. Le dernier virage avec la petite poussine à l'extérieur, on va faire l'effort. Mais notamment avec la Wesley Empire et les autres, les petites poussines. Un joueur, on le rendeur à Wesley Empire en prise du coup à l'intérieur. Easy Co, évidemment, la vidéo pour les autres. Easy Co, qui a l'avantage de Stadam. Et Easy Co, qui va remporter cette épreuve. SPSB commence une session d'effort. Les joueurs entament le dernier virage avec Captain Matthew. Il va essayer d'être touché par Cool Obligation qui va faire l'effort lui aussi. Maintenant à l'extérieur, Obligation face à Captain Matthew. Captain Matthew, avantage, Obligation, c'est la force.